Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir le dossier numéro 113, pièce radiophonique de Léon Deutsch, d'après le roman d'Émile Gaboriau. Avec, par ordre d'entrée en onde, Jean-Marie Amato dans le rôle de Monsieur Lecoq, Jean Toulou, le juge, et Pierre Leproux, Jean Lagache, Martine Sarcey, Pierre Delbon, Geneviève Morel, Philippe Mareuil, Nelly Delmas, Ginette Franck, Lucienne Givry et Louis Arbessier. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Prise de son, Jacques Boisse. Bruitage, Jean-René Niclès. Assistante, Marie-Denise Banda. Réalisation, Pierre Billard. Vous m'avez fait demander, monsieur le juge. Oui, asseyez-vous, mon cher Lecoq. Oui. J'ai besoin de vos lumières. Je fais appel aux plus perspicaces et aux plus brillants de nos détectives. Oh. Aux policiers qui se griment et se métamorphosent aussi adroitement qu'on l'a surnommé l'homme aux mille visages. Vous me flattez, monsieur le juge. De quoi s'agit-il? Eh bien, voici les faits tels qu'il m'en a été rendu compte par le rapport du commissaire de police. Avant-hier, 28 février 1868, un vol considérable a été commis au préjudice d'un honorable banquier de la capitale, M. André Fauvel. Celui dont les bureaux sont situés rue de Provence? Oui, au numéro 87. Ouais. Une somme de 350 000 francs devait être remise ce jour-là à un client, M. le comte de Clameron. La veille, en fin d'après-midi, le caissier principal, un certain Prosper Boutmy, avait fait prendre les fonds à la Banque de France. Vous me suivez? Comme si j'étais chargé de vous filer, monsieur le juge. Or, au matin, en ouvrant le coffre, un coffre scellé dans le mur, entièrement en fer forgé et à triple paroi, ce caissier s'est aperçu que l'argent avait disparu. Une question, monsieur le juge. Qui détenait la clé du coffre? Il y avait deux clés. L'une confiée au caissier, l'autre entre les mains de monsieur Fauvel. Mmh. Et le mot du coffre? Ils étaient tous deux les seuls à le connaître. Et donc, a priori, l'un de ces hommes est le coupable. C'est ce qu'a conclu le commissaire de police, qui, Fauvel, n'ayant absolument aucune raison de se voler lui-même, a mis le caissier Prosper Boutmy en état d'arrestation. Est-ce qu'on a des renseignements sur la vie privée de ce garçon? Oui, ils sont mauvais. Après avoir été durant des années un employé exemplaire, Prosper, auquel M. Fauvel destinait sa propre nièce, la jolie et riche Madeleine Fauvel, s'est lancée brusquement dans une existence désordonnée, luxe, aventure féminine, jeux, dépenses effrénées, en compagnie d'ailleurs d'un jeune cousin de Madame Fauvel, Raoul de la Gorse. Tout semble clair, monsieur le juge. En quoi puis-je vous être utile? Eh bien, l'homme se défend bien. Il est intelligent, sympathique. Il inspire confiance. Je sais que Fauvel lui a proposé d'étouffer l'affaire s'il avouait sa faute. Or, il a persisté à se prétendre innocent et il s'est laissé arrêter. Mmh. En tant que magistrat, je le garde à la disposition de la justice. Mais en tant qu'homme, je ne puis me défendre de douter de sa culpabilité. C'est par souci de me montrer équitable que je vous confie l'enquête. Soit, monsieur le juge, je vais interroger le prévenu. Asseyez-vous, Prosper Boutmy. Merci. Monsieur le juge d'instruction m'a chargé, et ceci dans votre propre intérêt, de vous faire subir un nouvel interrogatoire. Pardon, monsieur. Un des gardes qui m'a amené m'a dit que vous étiez monsieur Lecoq. Le célèbre monsieur Lecoq? Mais il ne vous a pas trompé, je suis monsieur Lecoq. En ce cas, je me confie entièrement à vous, car je suis sûr que vous ferez éclater mon innocence. Interrogez-moi, monsieur. Une somme de 350 000 francs qui devait se trouver dans le coffre de la banque Fauvel, dont vous étiez le caissier principal, a disparu. Tout permet de présumer que vous vous en êtes emparé. Qu'avez-vous à répondre? Je suis innocent, monsieur, je vous le jure. Mais avez-vous au moins quelques preuves à donner pour votre défense? Que puis-je dire quand je ne comprends pas moi-même ce qui a pu se passer? Dans l'état actuel des choses, les soupçons ne peuvent se porter que sur vous ou sur monsieur Fauvel. Insinuez-vous que votre patron s'est volé lui-même? Je n'insinue rien. Mais je ne saurais m'avouer coupable alors que je ne le suis pas. Bon, passons à un autre sujet. Vous avez pour maîtresse une nommée Gypsy,
Ignorez-vous que sous des dehors de grisette, elle n'est qu'une fille entretenue, connue de la police? Oui, je connais cette personne. Je l'ai plusieurs fois invitée à souper, accompagnée chez elle, mais de là... Mais vous étiez à court d'argent, ne le niez pas. Pouvez-vous me dire combien vous avez dépensé depuis un an? Environ 50 000 francs. Où les avez-vous pris? D'abord, monsieur, je possédais 12 000 francs provenant de la succession de ma mère, que j'ai perdue il y a 2 ans. Votre famille est originaire de Beaucaire, je crois. Oui, mon père y a pris sa retraite. Mais continuez. J'ai touché 14 000 francs chez monsieur Fauvel. J'ai gagné 8 000 francs à la bourse. Cela peut être contrôlé. La différence, je l'ai emprunté. Mais cet emprunt a été couvert par mes économies, soit 15 000 francs portés au crédit de mon compte à la banque Fauvel. Mais qui donc vous prête ainsi de l'argent? Mon ami Raoul Delagore, le cousin de madame Fauvel. Une dernière question. Elle vous embarrassera peut-être, mais la justice ne saurait se satisfaire de scrupules de conscience. Pourquoi, à la veille d'épouser mademoiselle Madeleine Fauvel, vous êtes-vous écarté d'elle et vous êtes-vous lancé dans une existence qui me semble si peu conforme à votre caractère? Je vous ai dit tout à l'heure, monsieur, que je me confie entièrement à vous. Je vous demande la permission de vous parler à présent d'homme à homme. Puis-je compter que ceci restera entre nous? Je vous le promets. Madeleine est, comme vous le savez, la nièce de monsieur Fauvel. Nous étions des amis d'enfance, jusqu'au jour où nous nous sommes aperçus que notre affection était devenue de l'amour. Et où Madeleine m'a juré de devenir ma femme. J'étais le plus heureux des hommes. Tout semblait me réussir, et brusquement, sans me donner la raison, sans se soucier de mes prières, sans marquer le moindre regret, Madeleine a rompu nos fiançailles. C'est ce qui m'a perdu. Car si je me suis lancé dans une existence déréglée, si j'ai commis une foule d'excentricités, ce fut uniquement pour essayer d'oublier la jeune fille que j'aimais. Croyez-vous donc être le premier à découvrir l'inconstance des femmes? Est-ce là tout? Oui, monsieur. Soit. On va vous reconduire dans votre cellule. Monsieur, quelqu'un de la police demande à vous voir. Faites entrer. Monsieur Fauvel? À qui ai-je l'honneur? Monsieur Lecoq. Monsieur Lecoq? Chez moi? Quelle bonne fortune! Ce matin encore, des amis me conseillaient de m'adresser à vous pour confondre ce misérable. Mais vous persistez donc à croire que votre caissier principal vous a volé. Pourrais-je faire autrement? N'a-t-il pas lâchement abusé de ma confiance? Je le considérais comme mon fils. Je lui destinais ma propre nièce, Madeleine. Je l'aurais associée. Mais il jouait. Il passait des nuits au baccarat. En compagnie d'un de vos parents, n'est-ce pas, monsieur Raoul Delagore? À propos, où se trouve ce jeune homme, on le dit, en voyage? Il a dû se rendre en Provence, dans cet air. Ah, bien. Bon, ben revenons à ce vol dont vous avez été la victime. N'avez-vous pas imaginé qu'il aurait pu être commis par quelqu'un d'autre que Prosper Boutmy? Cela me paraît matériellement impossible. Bien. Où se trouvait votre clé du coffre le soir du vol? Dans un des tiroirs du secrétaire de ma chambre à coucher. Bah, et alors? Pour un coffre comme le mien, la clé n'est pas tout. Il faut connaître également le mot grâce auquel on placera exactement les 5 boutons mobiles. Et ce mot, vous ne l'aviez dit à personne? À personne. Quel était-il? Gypsy. Non, un nom singulier. Gypsy. Oui, c'est Prosper qui l'avait trouvé. Je vois. Et étiez-vous chez vous la veille du jour où on a constaté le vol? Non, non, je dînais chez un de mes amis. Je suis rentré vers 1 heure. Ma femme était couchée. Je me suis mis au lit immédiatement. J'ignorais, et cela l'enquête l'a prouvé, j'ignorais que Prosper eût déjà fait chercher les fonds. Vous permettez que je jette un coup d'œil sur ce coffre? Mais à votre aise, le bureau du caissier principal est à côté du mien. Nous allons y passer, si vous le voulez bien. Pardon. Voilà. C'est ça? Oui, là. Ah oui, en effet, ce coffre est un des meilleurs modèles que l'on fabrique actuellement. Oui, oui. Tiens, mais dites-moi, monsieur Fauvel, cette éraflure près de la serrure... Une éraflure? Qui semble toute fraîche, regardez. Ah, ma foi, je ne l'avais pas remarqué. Sans doute la main de Prosper tremblait-elle lorsqu'il ouvrit le coffre pour la dernière fois, sachant pertinemment que l'argent ne s'y trouvait plus. Oui, c'est peut-être une explication, mais il doit y avoir autre chose. Entrez. Qu'est-ce que c'est? Je m'excuse de vous déranger, monsieur. Un de vos gros clients de Lille est de passage à Paris et désire vous voir. C'est bien, j'y vais. Si, monsieur Lecoq me le permet. Oui, faites donc. Merci. Monsieur Lecoq. Oui.
Mademoiselle Madeleine Fauvel vous prie de lui accorder quelques instants d'entretien pendant que Monsieur Fauvel sera occupé. Ah. Et sans doute est-ce pour vous parler de mon pauvre collègue Prosper. Nous l'aimons tous beaucoup et nous sommes unanimes à le croire innocent. Mademoiselle Madeleine habite l'appartement de son oncle à l'étage au-dessus. Venez, monsieur, par ici. Monsieur Lecoq. Mademoiselle Madeleine. Sauvez Prosper, monsieur. Je vous en conjure. Comme vous me semblez émue, mademoiselle. Prosper n'est pas un voleur. Je le connais depuis toujours. Et je le sais incapable d'une mauvaise action. Bah, en ce cas, vous accusez monsieur Fauvel? Lui? Mais je l'aime et je le respecte comme s'il était mon père. Voyons, mademoiselle. Quelqu'un d'autre a-t-il pu s'introduire au cours de la soirée dans les bureaux de la banque? Un bruit suspect est-il parvenu à vos oreilles? Je n'ai rien entendu. Mais vous persistez à croire Prosper innocent? Oui, monsieur. Pourtant, vous étiez sa fiancée, vous avez rompu. Car c'est bien vous qui n'avez plus voulu de ce mariage. Il faut donc que quelque chose ait brusquement rendu Prosper indigne d'entrer dans votre famille. Ce n'est pas sans raison que vous avez refusé de porter son nom. Oh, mon Dieu. Vous vous méprenez, monsieur. Prosper n'a jamais cessé d'être un honnête homme. Alors expliquez-vous, j'insiste, mademoiselle. Monsieur, ayez pitié. Vous l'aimez donc toujours? Je n'en ai plus le droit. Non, monsieur, c'est fini. Mais sauvez-le, pour l'amour du ciel, sauvez-le. Monsieur Lecoq, comment vous remercier d'être venu jusqu'à ma cellule? Moi, je tenais à vous rassurer sur les sentiments de Mademoiselle Madeleine. Je l'ai vue hier. Ah. Non seulement elle n'a jamais douté de votre intégrité, mais encore son inquiétude, son émotion doivent vous rassurer sur la profondeur de ses sentiments. Elle vous aime toujours. Mais la belle avance, si en croire certains bruits qui couraient à la banque, elle préférait épouser le comte de Clamerand. Pardon, le comte de Clamerand, est-ce que c'est pas le client à qui vous deviez remettre les 350 000 francs qui ont disparu? C'est bien lui, oui. Et il se serait épris de Mademoiselle Madeleine? Sans doute, puisqu'il a demandé sa main. Et elle l'épouserait uniquement pour devenir comtesse. C'est bien invraisemblable. Bon, j'ai commencé par n'attacher aucune importance à tous ces raconteurs. Mais à présent que la malchance s'acharne contre moi, j'en viens me demander si ce n'est pas pour ce motif qu'elle a rompu nos fiançailles. Bon, admettons-le jusqu'à preuve du contraire. Quoique... Bon, enfin, en ce cas, pourquoi vous obstinez à regretter une infidèle? J'aime Madeleine, monsieur. Et tout le mal qu'elle pourra me faire ne m'empêchera jamais de l'aimer. Soit. On ne discute pas les sentiments. Et autre chose, un de vos gardiens m'a prévenu que vous aviez une communication à me faire. C'est exact? Oui. Dans mon trouble, j'ai omis de mentionner un détail. Le garçon de bureau de M. Fauvel, un nommé Antonin, est allé chercher les fonds à la Banque de France. Le 27 au soir? Oui. Et il me les a apportés alors que je n'attendais plus que son retour pour partir. Or, je suis certain d'avoir mis l'alias dans le coffre, en sa présence. Puis j'ai quitté le bureau avant lui. Mmh. Et le lendemain matin, à mon arrivée, les autres employés étaient déjà là. Monsieur le juge n'a pas pu encore interroger cet Antonin. Il serait à l'hôpital avec une jambe cassée. Enfin, je vais le voir immédiatement. Courage. Voilà, voilà, monsieur le juge, les raisons qui plaident en faveur de Prosper Boutmy. Mmh. Il a paru justifier la provenance des sommes qu'il a dilapidées. Cet argent lui appartenait. Le garçon de la banque a confirmé l'avoir vu glisser dans le coffre les 350 000 francs à destiner à monsieur de Clamerand, puis quitter son bureau à la veille du vol. Enfin, les diverses personnes interrogées par mes soins jurent leur grand Dieu que ce jeune employé est incapable de commettre la moindre irrégularité. À l'exception toutefois de monsieur Fauvel, que la colère et l'idée d'avoir affaire à un ingrat semblent égarer. Ah ça, mon cher Lecoq, quel avocat vous faites? Non, non, en aucune façon, monsieur le juge. Non, je recherche simplement, mais passionnément, la vérité. Et ça veut dire qu'il fait clore le dossier de l'affaire Fauvel? Le dossier numéro 113? Certes, non, non, je ne renonce pas à poursuivre mon enquête, mais c'est pas en gardant un innocent en prison que nous y verrons plus clair. Soit. Je vais signer immédiatement la levée d'écrou. Mon Dieu, monsieur Prosper, quel bonheur! Hortense, ma vieille Hortense, je suis heureux de te retrouver. C'est tellement agréable de rentrer chez soi. Oh, j'étais sûre que monsieur reviendrait. Quand j'ai lu dans les journaux qu'on accusait monsieur d'avoir volé, j'ai dit au concierge et à toutes les autres bonnes de la maison, voilà une erreur judiciaire de plus. Oh, merci, ma brave Hortense, de n'avoir pas douté de moi. Oh, monsieur retrouvera tout comme il l'a laissé, sauf que sa cocodette s'est envolée. Gypsy?
Oui, cette demoiselle, Gypsy. Même qu'elle n'a pas été longue à se faire enlever. Et pour un Brésilien encore, et cousu d'or, qu'on dit. Mais monsieur ne va pas lui courir après. Oh, rassure-toi, je ne suis ni Brésilien ni cousu d'or. Il y a justement quelqu'un qui attend monsieur, là. Un ami de votre père. Mais vous ne pouvez pas me l'annoncer. Monsieur, excusez-moi, je vous ai fait attendre. Charmé de faire votre connaissance, monsieur Prosper. Vous êtes surpris de me trouver ici. Mais votre père m'a dit l'autre jour à Beaucaire, Verduret, c'est mon nom. Oui. Verduret, mon fils a des ennuis, il faut que tu l'en sortes. Alors j'ai répondu, j'y cours, et puis dès le lendemain, je quittais ma chère province, son ciel bleu, ses routes dorées, ses filles brunes, ses farandoles et son mistral, hein, pour venir vous tirer du pétrin. Alors qu'est-ce qui se passe, monsieur Prosper? Vous savez, je suppose, monsieur, Misérable m'a laissé soupçonner et déshonoré à sa place. Oh. Je n'ai plus qu'un seul but, le découvrir et le livrer à la justice. Eh bien, mon soutien, vous êtes tout acquis. Merci, monsieur. De rien. Je sais que je peux compter également sur l'appui de mon meilleur ami, Raoul Delagore, le cousin de Madame Fauvel, qui vient de rentrer le voyage et à qui j'ai fait dire tout à l'heure de venir me rejoindre ici. Dites, Delagore, il me semble avoir déjà entendu ce nom-là. Raoul est un garçon intelligent, spirituel et charmant. Il sera enchanté, j'en suis sûr, enchanté de vous connaître. Eh bon donc. Monsieur Delagore. Mon cher Prosper. Oh, mais tu n'es pas seul, je te dérange. Non, du tout, monsieur Verduret, à qui je te présente, est un familier de mon père. Monsieur. Charmé, monsieur Delagore. Justement, Prosper me disait à l'instant le prix qu'il attache à votre amitié. Mais croyez, monsieur, que cette amitié lui est toute acquise. Pauvre cher Prosper. Combien je déplore cette maudite absence qui m'a empêché d'être auprès de toi à un moment où tu aurais eu tellement besoin d'une affection fidèle. Enfin, te voilà en liberté, et c'est l'essentiel. Viens me parler, jeune homme. Non, Raoul, l'essentiel est de me laver de tous les soupçons qui pèsent encore sur moi. Attends, pour ça, tu peux compter sur mon soutien absolu. Bravo! Oh, quel bon ami vous avez là. Je mets la moitié de ma fortune à ta disposition. La moitié d'une fortune, fichtre! Bon, à notre âge, il est encore temps de recommencer sa vie. Et cependant, excuse ma franchise, tant que ce vol mystérieux ne sera pas expliqué, je crains que rester à Paris ne soit devenu pour toi difficile, sinon impossible. Que me dis-tu là? Comment peux-tu imaginer? Du calme, Prosper, du calme. Laissez parler votre ami. J'en discutais tout à l'heure avec Lamoran. À la place de Prosper, disait-il, je partirai pour l'Amérique. Je ferai fortune et je reviendrai écraser de mes millions ceux qui m'ont suspecté. Tel départ serait un aveu! Cette révolte vous honore, Prosper, mais le conseil de votre ami Raoul vaut qu'on y réfléchisse. Mais que pense Monsieur Fauvel de tout cela? Mon cousin? Je l'ai peu vu, c'est en dernier. Et Madame Fauvel? Et Mademoiselle Madeleine? Ma cousine Valentine semble désolée de toute cette histoire. Quant à la belle et glaciale Madeleine, elle est toute absorbée, figure-toi, par les préparatifs d'un bal travesti que donnent les gens Didier en leur hôtel de la rue Saint-Lazare. Elle ne quitte plus les couturières. Madeleine songe à ce costume. Alors que... C'est pas possible! Mais si, en tout cas, je verrai ces dames au cours de la soirée en question, car j'y suis également convié. Et je te donnerai des nouvelles. Ne t'inquiète pas, cher Prosper. Oh mon Dieu, près de 6 heures, déjà, il faut que je me sauve. Adieu, mon cher monsieur. Au revoir, monsieur. Oh, comme il est charmant, ce garçon, hein? Combien j'ai eu de plaisir à l'entendre. Dites-moi, monsieur Prosper, si nous parlions un peu de l'éternel féminin, qu'est-ce que c'est cette gypsy dont la légèreté semblait mettre votre fidèle Hortense si fort en colère? Une aimable fille à qui je pardonne bien volontiers de n'être qu'une grisette. Et mademoiselle Madeleine? Vous ne répondez pas? Cette belle et glaciale Madeleine vous tient à cœur, hein? Elle vous a fait souffrir. Je suis certain que Raoul se trompe. Elle n'est ni futile, ni froide, ni perverse. Non, il y a quelque chose que j'ignore. Une force inconnue et mauvaise l'éloigne de moi et cause mon malheur. Eh bien, rassurez-vous, mon enfant, cette force inconnue, nous la découvrirons. Mademoiselle Gypsy? Monsieur? Verduret, de Beaucaire, ça vous dit rien? Beaucaire, le soleil, les tambourins, les farandoles... Mais que me voulez-vous? Du bien. Quand un homme dit ça à une femme, en général, elle a tout lieu de se méfier. Oh, en ce cas, mademoiselle Gypsy, je ferai mentir la mauvaise opinion qu'une aussi jolie personne semble avoir de mes semblables. C'est Hortense qui m'a donné votre adresse. Hortense, là? Oui, la fidèle domestique de Prosper Boutemi. Je lui ai fait porter sa malle par un commissionnaire à l'hôtel du Grand Archange que c'est Michel, m'a-t-elle dit. Oh, parlez-moi de Prosper, monsieur. N'a-t-il pas été trop malheureux dans cette affreuse prison? Eh, il a souffert comme un innocent que tout accusé. Oh, monsieur...
J'ai tant fait pour lui venir en aide, mis mes bijoux au monde quêté, vendu mes robes à la fruitière. Et même renoncé à certains petits voyages que vous fîtes en compagnie d'un Brésilien cousu d'or. Ah, que voulez-vous, monsieur, la fidélité n'est pas mon fort, et puis... Offenbach a mis les Brésiliens à la mode. Mais ne me jugez pas trop sévèrement. Prosper ne m'aimait pas d'amour, je ne l'aimais pas d'amour, alors. Et pourtant... Pourtant. Ah, monsieur... C'est vraiment curieux comme parfois on peut aimer un homme que l'on n'aime pas. Des remords ? Mais non, des regrets. Car Prosper était si charmant, si prévenant, si généreux. Or souvent, je devinais sur sa gaieté une ombre de tristesse. Un amour contrarié sans doute, mais s'il avait du chagrin, jamais il ne s'en vengeait sur les autres. Tous les soirs, il m'emmenait au théâtre, au restaurant, on soupait au champagne. Oh, Prosper adorait quand j'étais un peu grise. Nous étions pris parfois de ses fous rires. Ah oui. Oh, le plus beau a été le jour où il a raconté au café anglais qu'il avait donné mon nom au secret du coffre de la banque Fauvel. Ah. Oui. Oh, il faut vous dire qu'on était un peu pompette, ça. Mais c'était si drôle. Un coffre qui s'appelait Gypsy, alors que la vraie Gypsy, l'argent lui glisse entre les doigts. Vous le saviez. Oh, ben, j'en avais le hoquet. Et Raoul Delagore était plié en deux. Raoul Delagore. Le meilleur ami de Prosper, oh, un bon vivant. Oh, monsieur, dites de ma part à Prosper. Oui, je sais, mademoiselle, je sais ce que je dois lui dire. Que c'est curieux, comme parfois, on peut aimer un homme que l'on n'aime pas. Madame, monsieur le comte de Clamerand insiste pour être reçu. Lui, avez-vous dit que je n'étais pas chez moi? Il n'a pas voulu me croire. Il avait l'air très en colère. Prévenez Madame Fauvel que j'ai une communication très importante à lui faire et qu'elle se repentira de son obstination si elle refuse de me voir. C'est bien. Faites entrer, monsieur de Clamerand. Bien, madame. Monsieur le comte de Clamerand. Que vous êtes donc bien gardée, chère Madame Fauvel. Veuillez vous asseoir, monsieur, et m'expliquer le but de votre visite. Sommes-nous ici à l'abri de toute indiscrétion? Je vous en donne l'assurance. Je vous ai demandé la main de votre nièce, madame, en échange d'un secret qui peut briser votre ménage et vous déshonorer. Vous aviez paru comprendre le prix que j'attachais à cette convention. Vous voulez dire à ce marché? Vous aviez accepté de me laisser entrer dans votre famille, et mademoiselle Madeleine avait consenti à devenir ma femme. Contrainte et forcée. Et madame, serait-ce un bien grand malheur pour mademoiselle Fauvel que de porter le titre de comtesse de Clamerand? Certes, si elle aime ailleurs. N'a-t-elle pas évincé Prosper Boutmy? Et par esprit de sacrifice. Sachez-le bien, puisqu'il faut parler net. Parce que dans mon affolement... Et que deux fois je me le suis reproché par la suite. Je lui ai tout avoué de ce secret auquel vous venez de faire allusion et qui vous permet de venir ainsi chez moi me menacer impunément. Peu importe, après tout. Sachez simplement que je suis là des vaines promesses, des tergiversations et des dérobades de mademoiselle Madeleine. Ma patience est à bout. Mais je vous somme d'intervenir auprès d'elle. Non, n'y comptez pas. Même si ce refus doit me perdre. Il vous perdra, madame, n'en doutez pas. Je vous accorde 8 jours pour que mon mariage avec votre nièce soit annoncé officiellement. Sinon... Et si je vous suppliais, si je me jetais à vos genoux? Cela ne servirait à rien. J'exige que Madeleine soit ma femme. Mais êtes-vous donc un monstre? Un homme qui force le destin a toujours quelque chose de monstrueux, madame. Et je suis de ceux qui n'attendent de la vie que ce qu'il lui arrache. Mais rappelez-vous, une semaine. Et sitôt ce délai expiré, j'agirai. Sortez, monsieur! Soit. Vous l'aurez voulu. Inutile de sonner, ni de me faire reconduire. Mon Dieu, pourquoi avez-vous permis tout cela? Ma tante! Oh, comment, Madeleine, tu étais là? Je venais vous rejoindre. J'ai tout entendu. Je suis restée cachée derrière la tapisserie qui masque la porte de ma chambre. Cet homme est capable de tout, ma tante. Il faut lui obéir et fixer au plus vite la date du mariage. Non. Puisque j'avais accepté... Mais n'es-tu pas folle? Tu veux que je te sacrifie? Je tiens par-dessus tout à vous sauver. Non, Madeleine, non.
Il ne sera pas dit que je t'aurai empêché d'être à celui que tu es. Il ne sera pas dit que je laisserai le déshonneur entrer dans cette maison. Oh, ma pauvre enfant. Laissez-moi vous payer ma dette. Vous m'avez traité depuis mon plus jeune âge, après la mort de mes parents, avec une inlassable bonté. Vous m'avez recueillie, puis élevée, et aimée comme si j'étais votre fille. Et quand votre bonheur et celui de mon oncle sont menacés, j'hésiterai. Non, je serai la comtesse de Clamont. Non, non, moi vivante, tu n'appartiendras pas à cet homme. Monsieur Verduret. Oui, monsieur le juge. C'est mon nom, Verduret de Beaucaire. Prenez la peine de vous asseoir. Je vous remercie. Vous avez demandé à me voir, ayant, paraît-il, d'importantes révélations à me faire concernant le vol de la banque Fauvel. Eh bien oui, monsieur le juge. Je vous apporte quelques petits détails assez intéressants. Vous avez refusé d'être entendu par un autre que moi. Pour quelle raison? Oh, simplement, monsieur le juge, parce que je me suis toujours adressé au bon Dieu plutôt qu'à ses saints. C'est bon. C'est bon, je vous écoute. Alors, comme j'ai eu l'honneur de vous le signaler, monsieur le juge, je suis originaire de Beaucaire, donc de Provence, n'est-ce pas? Et la Provence, qu'est-ce que c'est? Vous faites, monsieur, je vous La Provence, monsieur le juge, est une grande tache de soleil. Et à l'intérieur de cette tache, eh bien, mais tout le monde se connaît. Alors, en ce qui concerne le dénommé Raoul de Lagorre... Le cousin de monsieur Fauvel? Oui, les Lagorre sont effectivement une très ancienne famille originaire de Mayenne et fixée à Saint-Rémy depuis un siècle. Mais... Quoi? Mais le dernier des Lagorre épousa en 1829 une demoiselle Rosalie Clarisse Fontanet, de Tarascon, d'ailleurs à côté de chez moi, pas de Beaucaire. Et il est décédé en décembre 1848. Alors écoutez-moi bien, monsieur le juge, sans laisser d'héritier mâle. Sans laisser d'héritier mâle. Mais alors, Raoul de Lagorre ne serait peut-être pas aussi de Lagorre qu'il le prétend. C'est impossible, voyons. Ces choses-là ne passent pas inaperçues. Et comment ce cas, M. Fauvel, le traiterait-il comme son cousin? Ah non, pardon, M. le juge, non. Comme le cousin de sa femme. C'est elle qui le lui a présenté et qui l'a attiré chez eux. Méfiez-vous, monsieur, des insinuations calomnieuses. Entre nous, m'autorisez-vous à poursuivre. Soit. Le comte de Clamerin... N'allez pas prétendre que celui-là n'est pas un authentique aristocrate. Ah non, je m'en garderai bien. Non. Le comte Louis est né, effectivement, au château de ses pères, auprès de Tarascon. Seulement, on lui a fait dans la contrée une réputation détestable. Les paysans l'accusent même d'avoir assassiné son frère aîné, Gaston de Clamerin, pour hériter de sa fortune. Ah non, vous croyez que je vais prêter l'oreille à de tels raconteurs? Ouais, je comprends votre indignation, monsieur le juge. L'accusation m'a d'abord paru inadmissible, moi aussi, pourtant... J'y avais cru? C'est une histoire assez compliquée. Ce Gaston de Clamerin avait dû s'expatrier autrefois à la suite d'une rixe au cours de laquelle il avait involontairement causé la mort d'un homme. Il était revenu en France cet an dernier, fort riche, célibataire, et à en croire les gens de Saint-Rémy qui sont formels et unanimes. Hein, son frère l'aurait... expédié dans un second exil, oui, monsieur le juge. Mais d'où il ne reviendra pas cette fois? Ah, vous nous comblez, monsieur Verduret. Un usurpateur d'état civil, un fratricide, et puis quoi encore? J'y arrive. Ah, parce que je n'ai pas fini. Et il s'agit maintenant d'une jeune fille, ou plutôt d'une dame, établie, honorablement mariée, parfaitement respectable, qui, il y a un peu plus de 20 ans, s'appelait encore Mademoiselle Valentine de la Verberie. Ça ne vous dit rien? Attendez donc. Valentine de la Verberie? Mais il me semble que... Mais c'est Madame André Fauvel. Oui, monsieur le juge. Ah. Et Madame Fauvel, ex-mademoiselle de la Verberie, a passé toute sa jeunesse dans la propriété de ses parents située à proximité du domaine des Clamerin. On la disait même fiancée à Gaston de Clamerin, le frère aîné, vous savez, celui qui a eu des malheurs. Alors, pour peu que l'on ait un peu d'imagination, et vous savez, si nous en avons, nous autres, dans le midi, on peut fort bien admettre que Madame Fauvel, qui semble fort éprise de son jeune cousin Raoul de Lagorre, et qui est vraisemblablement sa maîtresse, soit de connivence avec Monsieur de Clamerin et lui ait accordé la main de sa charmante et riche nièce Madeleine, à condition qu'il gardât le silence sur une liaison pour le moins scandaleuse. Et dites-moi, monsieur, toutes ces dénonciations sont d'une extrême gravité. Et si vous les maintenez, vous aurez à en répondre devant la justice. Mais nous sommes loin des révélations que vous deviez me faire au sujet du vol de 350 000 francs commis au préjudice de la banque Fauvel. En aucune façon, monsieur le juge.
D'une part, Raoul Delagore est aux abois, je le sais d'une source sûre. Et d'autre part, Clamoran a trouvé ainsi le moyen de déshonorer Prosper Boutemy et de l'écarter à tout jamais de Madeleine. Vous avez réponse à tout. Mais quel homme êtes-vous donc, monsieur Verduret? Je sais pas, mais il me semble à vous entendre parler que je ne vous suis pas tout à fait inconnu. Ça, par exemple, le coq. Oh, ce Verduret ventru sanguin, jovial, paisible et citoyen de Beaucaire, c'est vous le coq. Métamorphosé une fois de plus et d'une façon ahurissante. Oui, ahurissante. C'est bien moi, monsieur le juge. Oh, mais dites-moi, alors ces renseignements sur Lagore, Clamoran, Valentine de la Verberie... Ben, je viens de les recueillir en Provence. Félicitations. C'est du beau travail. Maintenant, le doute n'est plus permis. Nous avons affaire à deux scélérats et peut-être à une aventurière. Les scélérats, j'en ai la certitude, monsieur le juge. Mais l'aventurière, c'est à voir. En tout cas, prenez les mesures nécessaires. Je vous donne carte blanche. Madame, un commissionnaire vient d'apporter cette lettre pour madame. Il m'a bien recommandé de la remettre à madame Fouvel en personne. Et vous a-t-il dit qui l'avait chargé de cette course? Non, madame. Il avait l'air pressé. Mais il a répété plusieurs fois à madame Fouvel en personne. Entrez. Excusez-moi de vous déranger, monsieur Fauvel. Un commissionnaire vient d'apporter cette lettre et m'a dit de vous la remettre en main propre. Il n'y a pas de réponse? Non. D'ailleurs, le porteur est reparti aussitôt. Madame Fauvel? Madame est sortie, monsieur. C'est de la part de qui? Monsieur Lecoq de la Sûreté. Et mademoiselle Madeleine? Je crois que mademoiselle est dans sa chambre. Non, priez-la de me recevoir. Bien, monsieur. Si monsieur veut donner la peine d'entrer au salon. Mademoiselle Madeleine, j'apprends que madame Fauvel vient de s'absenter. Savez-vous où elle est allée? Oh, monsieur Lecoq, c'est le ciel qui vous envoie. Je suis abominablement inquiète. Ma tante est venue, en effet. Elle m'a annoncé qu'elle sortait. Je ne l'ai vue qu'une seconde. Elle n'a consenti à me donner aucune explication. Elle avait l'air bouleversée. Et vous n'avez aucune idée du lieu où elle a pu se rendre? Aucune. Elle ne me cache rien d'habitude, mais aujourd'hui... Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'au moment d'ouvrir la porte, elle est revenue à moi, m'a prise dans ses bras et elle m'a embrassée avec effusion. Et vous n'avez pas eu l'idée de la suivre? Mais vous pensez bien que si. Elle me l'a formellement interdit. Depuis quelque temps, vous voyez, je craignais le pire et j'avais raison. J'avais fait mettre en place tout un dispositif de surveillance. Or, tout à l'heure, un de mes agents m'a informé que monsieur de Clamoran... Oh mon Dieu. Oui, monsieur de Clamoran a confié deux lettres à un commissionnaire. Cet homme est venu directement ici et il a remis les deux missives. L'une était pour monsieur Fauvel et l'autre pour sa femme. Alors ne soyez pas surpris, j'ai des indicateurs dans la place. Il faut tout craindre du comte de Clamoran. Dites-moi, voulez-vous vous assurer que votre oncle se trouve en ce moment dans son bureau? Ça vous est possible? Certainement. Bien. Mais, écoutez. Quoi? Regardez, cette fenêtre donne sur la cour. Mon oncle a dû donner l'ordre d'atteler. Le voilà. Il saute dans son coupé. J'ai l'impression que la pauvre madame Fauvel a donné tête baissée dans le piège qui lui était tendu. C'est clair, votre oncle se lance à sa poursuite. Alors elle est perdue. À moins qu'elle ait arrêté un fiacre et qu'un de mes limiers postés dans la rue ne puisse nous donner l'adresse qu'elle aura jetée au cocher. Je vais l'interroger. Permettez que je vous accompagne. Oui, venez, mademoiselle, mais hâtez-vous, il faut arriver à temps. Raoul, mon cher Raoul. Toi ici? J'ai eu si peur de ne pas te trouver. Mais que se passe-t-il? Comme tu as l'air ému. Je viens de recevoir une lettre te disant en danger de mort et m'incitant à venir ici sans perdre une seconde pour te porter secours. Je suis partie de chez moi comme une folle. Mais si ton mari s'aperçoit de ton absence? Non, c'est peu probable. Il ne quitte jamais les bureaux de sa banque au cours de l'après-midi. Montre-moi cette lettre. Tiens, la voici. Pas de signature? Non, mais les termes en sont si nets, si menaçants que mon cœur n'a pu cesser de battre. C'est très simple. Nous sommes victimes d'un coup monté. Et j'en connais l'auteur. Que veux-tu dire? Quelqu'un nous voudrait du mal? Louis de Clamoran. Oh, mais c'est impossible. Il t'aime profondément. Tu es sans doute le seul être au monde pour lequel il éprouve de l'affection. N'en crois rien. De violentes discussions d'intérêt viennent de nous séparer pour toujours. Mais tout c'est clair. Il se venge de toi qui lui a résisté et de moi qui n'ai pas obligé Madeleine à l'épouser. Comment suis-je tombée si aveuglément dans le panneau? Et pourvu que ce misérable, après m'avoir attiré chez toi, n'ait pas écrit à mon mari de venir m'y surprendre. Mais oui, c'est bien ça.
Tandis que je venais ici, il m'a semblé qu'une voiture suivait obstinément mon fiacre. Oh, mon petit, que mon mari survienne, qu'il me tue, ce ne sera qu'un châtiment mérité. Mais toi, toi tu es jeune, la vie peut te sourire à nouveau. Mais il faut partir qu'il ne nous trouve pas. Trop tard. Écoute. Tais-toi. Ouvrez! Ouvrez immédiatement ou j'enfonce la porte! Cache-toi dans la chambre, vite! Non, inutile! La porte cède. Vous ne m'attendiez pas, sans doute. Vous espériez que ma confiance aveugle vous permettrait de me trahir impunément. André, je t'en conjure. Malheureuse, qu'avais-tu donc à me reprocher? De t'aimer trop, sans doute. On se lasse de tout ici-bas, n'est-ce pas? Même du bonheur. Et le nôtre te paraissait probablement trop fade, trop sincère, trop simplement vrai. Quant à vous, monsieur, vous êtes jeune, vous êtes fort. André, défendez-vous. Non! Défendez-vous! Non, non, André, c'est moi. C'est moi qu'il faut tuer, car je suis la seule coupable. Lâche-moi! Lâche-moi, non, je non, me vengerai! Je le tuerai! Non, je ne peux je pas! Je le tuerai! Je ne peux pas, vous nous battiez pour moi! Mon Dieu, André! André, je t'en supplie! Raoul! Cessez, monsieur! Ordre de la police. Monsieur Lecoq? Que venez-vous faire ici? Arrêtez, monsieur Raoul Delagorre. M'arrêter? Oh, une plaisanterie, et pour quel motif? Monsieur le juge d'instruction vous le dira. Oh, monsieur! Ma tante se trouve mal. Décès! Vite, étendez-la sur le canapé. Il faudrait appeler un médecin. Ah, inutile, voyez, ses couleurs réapparaissent, elle revient à elle. Ma tante chérie, vous sentez-vous mieux? Oh, ma petite Madeleine, j'aurais préféré mourir. Mademoiselle Madeleine, aidez donc madame Fauvel à se lever. Oui. Soutenez-la et conduisez-la jusqu'à notre voiture. Venez, ma tante. On tardera pas à venir vous y rejoindre. Oui, voilà, quand même ça, doucement, doucement. Eh, monsieur Fauvel, n'est-il pas très touchant de constater la tendre affection qui unit votre femme et votre nièce? Certes, monsieur. Mais vous êtes-vous aperçu que monsieur Delagorre vient de s'enfuir par la porte du fond? Bravo! Félicitations, il vous a bien roulé! Cher monsieur Fauvel, croyez-vous donc qu'un jeune scélérat puisse me fausser compagnie si aisément? Je n'ai pas été dupe de son manège. Soyez-en persuadé. Mais ne valait-il pas mieux le laisser disparaître pour ne jamais revenir plutôt que d'en faire le triste héros d'un procès qui aurait jeté la honte sur votre famille? Alors, Madeleine, elle a consenti à s'étendre sur son lit? Oui, mon oncle. Elle est fort lasse. Elle vous attend. Allez la rejoindre. Et écoutez-la, je vous en supplie, avec toute la compréhension et toute la bonté dont je vous sais capable. Car je vous jure, sur ce que j'ai de plus sacré, que du jour où elle a porté votre nom... Es-tu donc dans ses confidences? Oui, mon oncle. Elle m'aime comme si j'étais sa fille. C'est bien. Voyons ce qu'elle a à me dire. Je te dois, mon cher André, une confession totale. Raoul n'est pas mon cousin, comme je te l'ai fait croire, ni mon amant, comme tu as pu te l'imaginer. Mais mon fils est le fils de Gaston de Clamerand. Nous étions fiancés, Gaston et moi. Un drame l'avait forcé à quitter la France et, au moment des adieux, je m'étais donné à lui. On a étouffé le scandale, et quelque temps après, mes parents m'ont obligé à t'épouser. J'aurais dû tout avouer. Mais tu étais si confiant, si loyal, que j'ai eu peur de te faire de la peine et peur aussi de te perdre. Mais l'enfant... Il a été élevé en secret, mais il est bientôt devenu un mauvais sujet. Il y a quelques semaines, accompagné de son oncle, ou plutôt de son complice, Louis de Clamerand, il est arrivé à Paris. Il m'a imposé sa présence. C'est lui qui a ouvert le coffre de la banque. Grâce aux mots que Prosper lui avait révélés étourdiment et grâce à la clé qu'il avait prise de force dans ton secrétaire. J'ai tenté de l'en empêcher, mais il m'a repoussé. Je n'ai pu que faire glisser la clé sur le battant du coffre, d'où les raflures constatées par Monsieur Lecoq. Et il t'a volé. Volé! Toi, le meilleur des hommes. Toi, qui m'avais rendu l'honneur et la joie de vivre. Ma pauvre femme. Comme tu as dû souffrir. Monsieur Lecoq, vous avez montré beaucoup de sagesse dans cette affaire. Je me suis surtout efforcé d'être humain. Je n'ai pas été le seul, puisque Monsieur Fauvel a su pardonner une faute de jeunesse à sa femme qui n'aime que lui.
Les deux jeunes gens vont s'épouser. Eh oui, il ne nous reste plus qu'à mettre hors d'état de nuire le plus discrètement possible, d'ailleurs, le misérable qui a essayé de déshonorer une famille. Et l'on pourra classer pour toujours le dossier 113. Et maintenant, Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu pour vous. Le roman d'Olivier Joris, Le festin de l'araignée, publié dans la collection policière de Noël, constitue un excellent suspense qui se maintient jusqu'à la fin. Il débute de la manière la plus dramatique. En arrivant pour prendre son service chez Madame Berthe River, sa femme de ménage, qui l'avait laissée en excellente forme la veille, la trouve assassinée et fait appel à la police. La police, sous les traits de l'inspecteur Joly, constate que la malheureuse a eu le crâne défoncé par une statuette en bronze. Et son enquête nous apprend en outre que Madame River, qui est veuve et qui bénéficie de revenus appréciables, les augmente toutefois en remplissant les fonctions de courtière en antiquité. C'est de cette manière que la statuette de bronze d'une très grande valeur est venue entre ses mains. D'autre part, d'un naturel très gai et très accueillant, Madame River s'entoure volontiers de jeunes gens et toutes les semaines, elle donne un dîner fin suivi de bridge à son neveu Lucien River et à deux amis intimes de celui-ci, Charles Nordier et François Sylvain, qui travaillent dans la même affaire de phosphate. C'est précisément dans la nuit qui a suivi un de ces agréables dîners rituels que Berthe River a été assassinée. Ou bien l'on admet, très difficilement d'ailleurs, qu'il s'agit d'un crime vulgaire commis par un inconnu, ou bien il faut s'attacher à démontrer qu'un des trois jeunes gens revenant sur ses pas après la soirée a, pour des raisons que l'on ignore, commis le forfait. Tous les trois peuvent être impliqués car leurs empreintes sont relevées sur la statuette. Or, celle-ci a circulé de main en main après le dîner. L'habileté d'Olivier Joris est donc de répartir équitablement, si l'on peut dire, et entre les trois jeunes gens, les possibilités du crime. Ils sont partis ensemble. Nordier, qui avait bu un peu trop, a été mis en taxi par ses deux camarades, lesquels ont pris ensuite le métro dans une direction opposée. La situation des trois garçons exclut le moindre besoin d'argent. Et aucun des trois n'a d'alibi, pas même celui qui était en taxi, car il a quitté ce taxi avant de rentrer chez lui et ne se souvient plus de ce qu'il a fait ensuite. Nous en revenons donc au point de départ. Qui a tué, pour ne pas la voler, Berthe River? Je répète que cet excellent suspense, Le festin de l'araignée, est d'Olivier Joris et publié dans la collection policière de Noël. Roger Réjean vous parle du dernier film qu'il a vu. Il y avait longtemps déjà que l'on avait entendu parler de Frankenstein et de Dracula, ses petits cousins éloignés du fameux Nosferatu. Ce silence est rompu, voici Dracula revenu hanter les Champs-Élysées. Il porte cette fois une grande cape noire qui lui descend jusqu'aux pieds, un de ses longs manteaux romantiques semblables à ceux de Judex. Le film où nous retrouvons ce personnage fantastique a pour titre « Le cauchemar de Dracula ». Ce titre seul vous donne, s'il en était besoin, une idée de ce que vous allez voir. Eh bien, on vous en montre encore beaucoup plus. On n'a pas marchandé sur le nombre de cadavres, le sang, les cercueils, et autour de moi, dans la salle, les petits rires nerveux des spectatrices qui voulaient avoir l'air de ne pas avoir l'air en disaient long. Pourtant, les grosses ficelles du film d'épouvante sont visibles à l'œil nu dans cette histoire à dormir ou à ne pas dormir debout. Nous sommes dans le fantastique le plus délirant et l'on sait bien que l'on n'a rien inventé de plus suspensif depuis Nosferatu et Caligari. Dans le cauchemar de Dracula, nous voyons un vampire qui vit depuis 200 ou 300 ans et à la fin est détruit par la lumière du jour et tombe en poussière. L'image est curieuse d'ailleurs, et d'une assez belle poésie surréaliste. C'est ce qu'il y a de mieux dans ce film médiocre. Nous voyons encore des jeunes femmes, victimes du vampire Dracula, sucer avidement le sang de ceux qu'elles choisissent comme proie. Nous voyons aussi un château dans la plus pure tradition de l'expressionnisme hallucinatoire. Tout cela sent évidemment le grand guignol, mais on ne peut nier que les effets portent. C'est gros, très gros, mais dans ce genre terrifique, on n'attend guère de subtilité ni de raffinement. Donc, si tous ces accessoires du film d'épouvante ne vous rebutent pas,
Allez voir Le cauchemar de Dracula. Ce n'est certes pas une œuvre exceptionnelle dans la série du spectacle de terreur, mais c'est honnêtement fabriqué. La couleur, surtout dans les intérieurs, est assez bonne. Ce serait plutôt l'interprétation qui paraîtrait faiblarde. Ils n'ont pas l'air de s'amuser beaucoup, tous ces acteurs qui sucent le sang de leurs camarades ou leur enfoncent avec un lourd marteau un pieu dans le cœur. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard avaient choisi pour vous ce soir le dossier numéro 113, pièce radiophonique de Léon Deutsch, d'après le roman d'Émile Gaborio, avec, par ordre d'entrée en onde, Jean-Marie Amato dans le rôle de Monsieur Lecoq, Jean Toulou, le juge, et Pierre Leproux, Jean Lagache, Martine Sarcet, Pierre Delbon, Geneviève Morel, Philippe Mareuil, Nelly Delmas, Ginette Franck, Lucienne Givry et Louis Arbessier. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean. Prise de son, Jacques Boisse. Bruitage, Jean-René Niclès. Assistante, Marie-Denise Vanda. Réalisation, Pierre Billard.